Bonsoir YouTube, bienvenue donc sur cette découverte de Antenna Dilemma. C'est un point and click développé par Golosso Games. Golosso Games, c'est le studio, comme vous le voyez, qui a fait Inspector Waffles, qu'on a découvert la dernière fois. Et donc voilà, on est parti donc, pour ce jeu qui a l'air tout à fait sympa. Donc c'est un premier chapitre qui, en lui-même, est tout à fait suffisant, enfin raconte une histoire entière. Hey, bonsoir justement, bonsoir monsieur le développeur, et bonsoir à toi Omega Marquis, bienvenue, salut Hunter, tout le monde est là, bienvenue à vous. Bon alors, je suis désolé, hein, je sais pas si ça se voit, je sais pas que ça se voit pas trop, je sais pas que c'est pas trop crado, mais voilà, j'ai encore quelques soucis, comme très souvent avec ma connexion, vivement la fibre. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop, là je crois que ça fait beaucoup là. Je crois que ça va très bien, à part ma connexion qui voilà, j'en ai marre. Sinon, tout va bien. Je ne sais pas comment faire pour régler le problème, à part avoir la fibre, mais bon. Du coup, on est parti, j'espère que ça va se faire. Ouais, ça va se passer un peu. Bon, du coup, point and click. Point and click, donc je le disais, en un chapitre, éventuellement, si jamais bon, ça se passe pas trop mal, le développeur qui est ici présent fera peut-être un, deux, voire trois chapitres supplémentaires. Mais bon, ça reste à voir évidemment si le jeu fonctionne. Il sort. Voilà, si vous avez des questions, exactement, n'hésitez pas. Une heure avant. Est-ce que je dois ouvrir la boîte? C'est le nom d'une émission. Qu'est-ce que j'adore cette émission! Donc, ça, c'est le petit monsieur qui est ici. Enfin, c'est une boîte. Une boîte grise. Mais il n'y a rien d'autre pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que cette... Unboxing stuff, think outside the box, commercials, donc des pubs, d'autres programmes qui ne l'intéressent pas. C'est compliqué. Et oui, ce sera gratuit, effectivement. Ce sera gratuit. Et en français, la traduction est en cours, elle devrait sortir normalement à peu près au moment de la période de la sortie du jeu. Ou alors juste après, si jamais il y a des petites choses à ajouter, mais voilà. Le jeu sera en français. Sérieusement, qui regarde encore Keeping Up with the Square Dashians? J'ai 200 chaînes de télé sur ce truc. Et il n'y a jamais rien. Merci de me rappeler, je dois lui envoyer des textes traducteurs FR. Mais de rien. ne l'oublie pas. Allez, il doit bien y avoir quelque chose. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Oh non, la télé va pas bien, il y a quelque chose qui va pas. Je peux pas louper mon émission préférée. J'ai jamais loupé un seul épisode. C'est un désastre. Oh, petite boîte grise, la peau. Chapitre 1, Square Eyes. Ok, paniquons pas. Quelle est la procédure? Procédure 4P23.1. Et je fais attention à moi-même. Ou procédure 3P12.7. Et j'appelle les services d'urgence. Je me rappelle plus. Peut-être qu'il y a un indice caché quelque part autour de la télé. Ok. Alors nous sommes cette petite boîte. Et on est parti. Alors on ouvre les yeux. Il peut y avoir des secrets. Je crois qu'il y a des secrets. Il doit y avoir des easter eggs. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. C'est un peu comme dans Inspector Waffles. Il y a des petites choses à regarder, à chercher. Ici déjà, la photo m'intrigue. Bon, ça reste deux boîtes, comme lui. C'est une vieille photo de mes parents. C'est 32-12-34 et c'est 35-23-45. Je devrais leur rendre visite plus souvent. Mais il y a trop de bonnes choses à la télé. Je trouve jamais de temps. Très bien. Il y a 10 succès et 2 fins possibles. Ok. 2 fins possibles. Nice. La collection personnelle de cubes. Drôle, c'est une boîte grise qui...
Light gray, mid gray, dark gray, donc gris clair, gris moyen, on va dire, et gris foncé, très bien. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pas mal ça, c'est marrant. Ça tend pas à cette réponse en fait. C'est un symbole de mon support. Symbol of my support for the way. Ah oui, d'accord, c'est un symbole de mon support par rapport à la façon dont le gouvernement gère notre. Non, the dice, les dés. Les dés, c'est ça? Les dés gouvernent notre ville. D'accord, on ne sait pas, les dés ou les. Sticky notes. Brand new pack of sticky notes, ouais. C'est un post-it. Je sais pas que ça le fait niveau des images. Je vois que ça bug quand même un peu. This will come in handy if I need to write something. Ok, on a pris des post-it pour un petit carnet pour noter des choses s'il y a besoin. Très bien. Un téléphone. Oula, on a une, deux, trois serrures. Où il habite, mais ça fait peur. Ah, le téléphone. Je sais pas sur quoi appuyer. Ok. C'est le nom d'un personnage, très bien. Calling random phone numbers isn't going to work. Oui, bah oui. Je m'en doutais, hein, mais bon, j'ai pas le choix. Bon, on va voir la black box. This little black box gives everyone some magical. Donc c'est un décodeur en fait. Une petite boîte noire qui permet d'avoir des chaînes de TV. C'est totalement free, totalement gratuit. The Dice, donc le fameux personnage qui a l'air de gérer la ville a priori. On donne à tout le monde. D'accord. Mec, notre leader est une si. Une personne si incroyable. And on the front side of the. Devant la, sur la face de devant de la boîte, il y a un petit label. In the event of an emergency. En cas de problème, appelez le 2102. Très bien. On va s'exécuter. Allô, vous avez contacté le service de support téléphonique? Est-ce que vous pouvez. Par rapport à la télé plutôt. Hello, oui, c'est C432632. Écoutez, j'ai un problème. Aidez-moi, vite. C'est une urgence. Ma télévision ne marche plus. Il y a moins d'une heure avant mon programme favori. Oh, mince. Ça a l'air d'être un dommage à l'antenne. C'est une réelle urgence. Ça fait rire parce que. Aujourd'hui, oui. Heureusement qu'on n'est plus comme ça. Enfin, quoique, s'il doit y avoir des personnes qui sont encore comme ça. Will you be able to get your. Après, nous c'est Internet en fait. Sans Internet, on n'a plus rien. Will you be able to get to your local. Est-ce que vous avez accès à votre. À un local où on peut gérer tout ce qui est lié à l'antenne. Et revenir à temps. Oui, c'est en bas. En bas de la rue. Bah, allez-y. Et ask them to perform. Et demandez-leur de faire un F4-23 ou 2.3. Ils sauront quoi faire. S'il n'y a personne. D'accord, on peut s'occuper de l'antenne sans laisser forcément un mot d'excuse. En accord avec l'ordre 4-2.9. Merci pour votre aide. J'y vais, c'est parti. La télé, on ne peut rien y faire. Nothing but statique, rien. Et bien, donc je pense que c'est l'antenne qui est en endommagé. Bon, on est go. Du coup, on sort. Oula. Alors, on est dans la rue. Il y a des pubs. Pour papa, machin, c'est une pizzeria. Ils font vraiment de bonnes pizzas. 74,99 pour faire pour commander une pizza. La Squarinara, très bien. Et c'est encore meilleur à la maison devant une bonne émission de télé. Il est un peu addict à la télé, le monsieur. Hein. Donc c'est le cas de Bill Burn in front of my house. Je suis bien content d'avoir un tableau devant ma maison. Oui, shops.
D'accord. Grosserie et TV store. Oh non, on a pas besoin d'aller là. Je sais pas pourquoi je fais. Pas grave. Hello, anybody? Ah si, peut-être que c'était ça qui nous disait d'aller. C'est une tortue. Un chien tortue. La place est déserte. Bien. À côté de cette boîte tortue. Quoi? Je pense qu'il garde le magasin. Ce chien. Très bien. C'est un chien, c'est une tortue, on ne sait pas. Je suis tout seul. J'ai besoin de trouver un moyen de regarder la télé. De quelque manière que ce soit. Bon bah du coup on ressort, on va aller... C'est pas là qu'il fallait aller. Je crois pas, c'était le TV Store. Non, faut aller à notre local. C'est Wall... Neighborhood. Ah d'accord, c'est un type de tortue, très bien. Box Turtle. Tortue boîte. Tree. Don't know what kind of tree it is. Ah oui d'accord, j'avais pas vu. Ah oui d'accord, ça c'est un arbre. Ah oui, c'est les arbres de cette époque là. Très bien. En ce moment là. Il y a des caméras et tout. It's not a box tree, so... Je suis sûr que c'est pas un... Ah oui, en fait, tout est box ceci, box cela en fait. Ok. Bon, on va aller voir s'il n'y a pas le... TV ad, chips ad, ouais, c'est... Une absolute mégastar. C45-23-11, une star inconditionnelle. Ils l'ont appelé le roi de la télé. Parce qu'il a vendu des centaines et centaines de télés dans sa vie. Pas un truc hyper rare, une tortue tout à fait normale qu'on trouve en Amérique. Ok. Je suis en général pas fan des célébrités, mais il a l'air d'être une bonne personne. Chaque année, il fait un gros don, enfin ouais, un don, on va dire ça. Il donne des télévisions à des pauvres. Wow. Quand, à partir du moment où vous ouvrez la box, vous ne pouvez plus vous arrêter, la boîte. Man. Mec, juste en regardant ces chips, ça me donne faim. J'aime les chips. But I can't eat them if I want to stay in chain. Mais je peux pas les manger si je veux rester voilà, en bonne forme, on va dire. J'ai travaillé dur pour ça. Bon. Très bien, il garde sa forme de boîte. Il fait attention à sa forme de boîte, très bien. Hey, qu'est-ce que t'es en train de faire ici? Tu dois être chez toi en train de regarder la télé. Mon antenne est cassée. Merci beaucoup pour le follow Golosse Games. Merci beaucoup. Mon antenne est cassée. Quelque chose fell on my house. Est tombé sur ma maison. Appelez la hotline, enfin le truc d'urgence. Ce n'est pas une excuse pour te balader dans le voisinage au milieu de la journée. Ah oui d'accord, t'as même pas le droit d'aller te balader un petit peu quoi. C'est vraiment tout le monde devant la télé. Ouais, désolé pour le trouble, t'avoir perturbé. Allez, vas-y, j'ai pas envie de louper mon émission. D'accord, donc visiblement c'est pas par là. Ah, il y a des panneaux cassés. Donc cette pancarte s'est cassée la figure. En accord avec la loi S345, you can take anything lying around on the ground. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez qui traîne sur le sol. Tant que personne d'autre n'est intéressé par ça. Très bien. Comment est-ce que je peux être sûr que personne n'en est intéressé? Hello? Does anybody want this metal bar I just found? Est-ce que personne n'est intéressé par le bout de métal que je viens de trouver? C'est bon? Personne? Ok, c'est le mien alors. D'accord, on a trouvé un bout de métal. Il est taré. Il braille dans le voisinage alors que tout le monde lui dit de se taire et d'aller regarder sa télé. On va peut-être aller voir chez... Ah oui, l'antenne est ici. Bon, ça l'a fermé là, non? Ils vont pas me laisser rentrer facilement. Très bien. Ah, il y a un intercom. Hello? Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux?
J'ai plutôt intérêt d'avoir une sacrée bonne raison pour me perturber pendant que j'essaie de regarder la télé. C'est 43, 26, 32, votre voisin. Écoutez, ma télé est cassée et j'ai juste besoin qu'on aille sur le toit pour réparer ça. Mais j'ai besoin de passer par votre maison pour y aller. Comment est-ce que je peux savoir que vous êtes pas voleur? Est-ce que vous avez des documents ou quoi que ce soit? J'imagine que vous n'avez pas une licence de technicien. Je sais pas où vous voulez, mais non, je n'ai pas de documents. Allez, laissez-moi passer. Désolé, mais personne n'entre dans ma maison sans de papier approprié. Au revoir. Il a raccroché. Je ferais mieux de trouver une autre issue. Un autre chemin. Ah non, il faudrait carrément que je trouve de quoi le faire croire que je suis un technicien. Bon, non, dans le magasin, on risque de se faire choper. Mais bon, on va essayer de piquer un truc dans le magasin au pire. TV Store, est-ce qu'on peut aller voir ailleurs? Alors, on va aller voir là au pire. Ouais, je vais ici pour faire mon shopping. C'est fermé, très bien. Ouais. Ok. TV on sale. On peut assommer le chien avec ça? Enfin, qui est en fait une tortue. J'ai un succès, c'est Box Turtles are our friends. Les tortues sont nos amis. Désolé. Je vais pas frapper cet animal. Je veux pas aller en prison. Très bien. On n'a pas de voleurs par ici. Les boutiques sont safe, sont en sécurité. With petting and security and the cash register. Ils n'ont pas besoin de mettre une sécurité sur la caisse. There's some spare change here, but I'm not a thief. So il y a des changements un petit peu ici, mais je suis pas un voleur, j'ai pas besoin de. Je vais laisser ça derrière. Très bien, les télés. Nous on veut ça, on veut cette antenne. Ah d'accord. T'es agressif toi en fait. C'est pas bien. Fais peur, veux. Agressif. Remote. Je peux pas l'atteindre. Oui, non mais. On peut pas lui. Balancer un truc sur la télé, non? Ah, procédure. Oui, donc faut vraiment que je me débarrasse de ces sales bêtes. Cette sale bête. Eh ben écoutez, vending machine. Complètement vide. Tous les chips, soda et bonbons ont déjà été pris. Non, pour l'instant, non. Je vais voir un petit peu. Tout ce qui reste est une salade. Who buys salad from. Qui achète une salade dans un distributeur, de toute façon. Wall. The wall town is. D'accord, toute la ville est entourée d'un mur. Sauf à la frontière. D'accord. Il s'en fout de ce qui se passe dehors. Pourquoi est-ce que je voudrais quitter ce paradis dans lequel il vit? Pourquoi est-ce que je voudrais quitter ce paradis dans lequel je vis? Très bien. On va retourner chez nous, je vais peut-être louper un truc. Maintenant qu'on a le truc métallique. Ah, my mailbox. Pas de mail aujourd'hui, enfin pas de journaux aujourd'hui. Still waiting for this month's issue. Il attend le magazine de Esquire. Mais il est toujours pas là. Putain, ok, vaut mieux pas. C'est illégal de regarder dans la boîte. Dans la boîte aux lettres de quelqu'un d'autre. If doing something bad will allow you to watch a TV show on time. Oh! Il y a beaucoup de lois qui fonctionnent d'une façon ou d'une autre, voilà, selon si ça te permet d'aller voir une émission de télé ou pas, c'est assez drôle. Donc là, a priori, on a les moyens de. Et on peut laisser un petit mot dedans, voilà. Ok, donc on peut regarder tant que ça peut nous permettre éventuellement d'aller voir notre émission tranquillement, donc parfait.
Alors, je suis désolé pour les drops là, je vois que ça drop un petit peu. C'est vraiment chiant, je sais pas pourquoi. Une lettre de confirmation pour une livraison. Le numéro de mon voisin c'est 4534. Oh. Oui. Vas-y, écris un mot d'excuse. Je suis désolé d'avoir oublié, ouvert votre boîte, c'était une urgence. En accord avec la loi du cube F823, je peux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour aller voir mon émission. Très bien. Je suis désolé pour le dérangement. Mais je suis dans mes droits. Très bien. Ok, on est dans nos droits, c'est bon. Il a mis le petit post-it ici. On va aller chercher. Donc non, c'était 45, 32. Je sais plus. Non, qu'est-ce que... Mince. 45, 39. Mince. Ça m'a perturbé. 1534, je suis pas loin. Voilà. Allô? Allô? Ah bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas préparé le speech. Black box. Ah, on n'a pas fouillé dans le bureau. Enfin dans le meuble. Mes vieilles cassettes vidéo. Des sous? Collé entre Readers of the Lost Box et Square Minator. Très bien. I better bring this with me. Je vais prendre avec moi. Je peux pas avoir besoin de sous pour réparer ma télé. Oui, du coup, on va aller acheter quelque chose. Est-ce que le vendeur est revenu? C'est ça. Pause. Icône. Yes. Icône téléphone. Ça, oui. Oui, du coup, oui, c'est ça, Hunter, ouais. S'il y a un peu de monde qui... voilà, enfin, si oui, si le jeu marche bien, eh bien oui. Il y aura des chapitres. D'ailleurs, je trouvais que c'était une bonne idée. Pour ceux qui pourraient... Je trouve que c'était une bonne idée pour un petit studio de faire ça en chapitre. Je trouve que c'est intelligent. Parce que du coup... Ça évite de faire comme il y a des jeux qui vont bosser, enfin des gens, des équipes, des petites équipes, hein, qui vont passer 7-8 ans de leur vie sur un jeu, ils savent même pas si ça va fonctionner, et puis voilà, enfin ils sortent le jeu, ça marche pas, bon bah 8 ans de ta vie dans le baba. Alors que là au moins, bon je sais pas combien de temps il est. D'ailleurs, combien de temps a pris celui-ci pour être développé, même s'il est pas encore, enfin si, si en soi il est fini celui-là. Mais je sais pas combien de temps il a pris, mais voilà, vaut mieux faire étape par étape plutôt que tout faire un truc de 10 ou 7 ou 10 ans. Il y a beaucoup de jeux qui ont mis 7, entre 7 et 10 ans à être faits. Et voilà, au final, ne pas savoir si le jeu va fonctionner. Alors que là, au moins, bah voilà, petit à petit, tu peux voir, bon, il fonctionne, je fais le deuxième. Après, voilà, si ça fonctionne pas, bah je m'arrête là, ou alors je continue, enfin... J'ai déjà partagé avec quelques bêta testeurs et personnes qui ont l'habitude de jouer à des point and click, les retours sont pour l'instant positifs. Donc si je vois que le reste des gens suivent, je continuerai. Ça marche. Bah oui, n'hésitez pas à mettre sur les wishlists. Toujours un plus pour les devs. La poubelle est vide. Ah, sauf un carambox. Il y a une blague intérieure. Alors, qu'est-ce que fait un cube en bonne santé pour le dîner? Square meal. A square meal? Let's put this wrapper. Laissons ce papier là où il était. C'est une bonne idée. Square meal. Ça doit faire référence à autre chose, mais j'ai pas l'autre chose du coup. Bon, si je lui mets des sous. C'est lui le vendeur en fait? S'en fout. Voilà. En accord avec la loi 4G5.6, vous pouvez échanger deux choses tant que les deux choses ont la même valeur.
Et pour répondre à ta question, j'ai fait une game jam en mai-juin. Ah oui, c'est vrai, c'est les deux jeux que t'as fait à chaque fois, ça partait d'une game jam, je crois. Donc un an, mais j'y ai pas touché pendant presque 6 mois pour faire exclusivement du Waffles, donc 6 mois. D'accord. Bon, ça va. 6 mois, un jeu comme ça, c'est... bon rythme. Moi, j'y crois pas, j'arrive pas à y croire que j'arrive à me rappeler de toutes les lois que j'ai apprises en école élémentaire. C'est de la monnaie? T'es allé assez vite, car j'utilisais en partie le même code avec Waffles. Ouais. D'accord. Ah oui, déjà, oui, bon, en même temps, c'est... t'en s'en servir, c'est déjà fait. Ok, je fais l'échange. Je devrais probablement expliquer to the owner of an excuse not so... Ah oui, je devrais tout expliquer avec une petite lettre d'excuse. En accord avec la loi 4G56, j'ai échangé mon cash avec des pièces. Je suis désolé. On va pas mettre ça à chaque fois quand même. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu veux des sous? Ce n'est pas... Il y a un petit cochon là. Une tirelire en cochon. Moi, c'est le but. Prochaine game jam, je fais Monkey Island en 3 jours. Eh ben, vas-y. Tu penses à moi pour le tester. Hein. Je veux bien voir ta version de Monkey Island. Oui, je me doutais que les pièces étaient pour ça en même temps. Voilà, normal. 1, 2, 3, 4 pièces. Une salade, s'il vous plaît. Ah, mais oui, c'est une tortue. Là, ça, j'avais même pas fait lire. La machine a mangé ma monnaie. La machine m'a volé. J'imagine que c'est équitable. J'ai volé ce qu'il y avait en retour. Quoi? Non, mais je veux la salade. Voilà, en accord avec la loi 2F39, si quelqu'un vous vole quelque chose, vous pouvez le voler en retour. Peu importe le prix. D'accord. Très bien. On vient de défoncer la machine. Très bien, voilà, c'est bon, on a la salade. C'était vraiment une mauvaise chose d'avoir fait ça, détruire la machine de distributeur. Just to get a piece of salad, juste pour avoir une pièce de salade. Mais non, on va pas laisser un mot d'excuse quand même. Je suis désolé d'avoir cassé le distributeur. Mais il m'a volé. En accord avec la loi 2F39, je peux faire tout ce que je veux, tout ce qui est dans mon pouvoir pour le voler en retour. Je suis désolé pour les problèmes, mais je suis dans mes droits. Il est gentil. Allez, on aurait cette bait. Prends cette salade. Ben oui, les tortues aiment ça. Allez, maintenant nous on veut ça. Ça c'est fait. Une fois que ce sera installé sur mon toit, ce sera tous mes problèmes sont réglés. I could be writing, excuse me. Non. Ah, je peux plus écrire. Mais non, il n'y a pas besoin. Oui, j'ai la procédure. Ok, accordez I require access to your roof to fix a broken arena. On prend ça. Je vais donner ça à la vieille à côté. Oui, les gens doivent me laisser aller dans leur maison si je dis ça. Mais ce serait tellement facile pour un technicien de voler quelqu'un. Donc c'est bon, on a appris quelque chose. Ah, c'est une casquette de technicien. Uniquement les techniciens qui ont une licence peuvent porter ça. Je prends. Oui. Comme ça, mon voisin va me laisser tranquille. Il va croire que je suis technicien. I should work for the Dice. Je devrais travailler pour the Dice. Je me sens tellement... Enfin, avec plein de pouvoir. Oui, elle met une petite ambiance. Un peu mystérieuse, un peu. Prends une petite télécommande. C'est les toutes dernières en plus. With one of these baby, avec un de ces bébés, je pourrais prendre des appels téléphoniques sans avoir à me lever du sofa. C'est le rêve. Prends-la.
maintenant. T'as pas envie? Profite, hein, c'est maintenant. Bon, bah écoutez, on va essayer de voir avec la voisine. Il faut d'abord qu'on mette la casquette sur notre tête. Non. Ah, ça peut-être avant de rentrer. Là. Ah, c'est bon, on l'a du coup. En accord avec la loi 8N3.2, je retire un accès au toit pour me réparer l'antenne qui a été cassée. I'm sorry, je suis désolé, mais je n'ai pas pris rendez-vous avec vous. Je connais mes droits. En accord avec la loi 5F3.2. Non, mais arrêtez avec cette loi. Vous devez m'informer par téléphone avant d'essayer d'entrer dans la maison. Quel. Alors, mamie, elle nous embête. Hein? Mamie. Nous saoule. Il faut qu'on ait. Ah bah est-ce que je peux pas l'appeler? Donc 45-34. Hello. Alors, en accord avec la loi 8N3.2, je retire un accès chez vous pour réparer l'antenne cassée. Maintenant? Oui, maintenant. Ok, venez, je vous attends. C'est une blague, il fallait juste que je l'appelle. Ah, c'est un homme. Mince. What a nice guy. Il suffit juste que je lui passe un appel pour. Oh là là, voisin ici. Ok, donc voilà, en accord avec la loi, hein, je requiert un accès pour aller réparer l'antenne. Ok, laissez-moi vérifier. Ah, mais il a une canne et tout, un petit chapeau, je l'appelle. Pas vu comme ça. Ok, ça me semble bien. Entrez. Prenez pas trop de temps, je vais pas louper mon show préféré. Très bien. Beaucoup de lois hein, dans ce monde là. C'est la guerre dans sa mission là. Bonjour, je suis le technicien dont vous avez parlé juste avant. Juste besoin de. Oui, oui, je sais qui vous êtes. Soyez rapide, allez hop. Go. Ok, pas de problème. Je devrais plutôt me dépêcher. Mon mission va commencer. On appelle ton aussi. C'est où? Je peux pas aller à droite, donc je vais peut-être devoir faire quelque chose avant. Statue d'un vieux chevalier de la guerre d'indépendance. Quelques siècles. On s'est combattu contre les autres. Très bien. À la fin, on les a fait fuir. Ah non, d'accord, on les a carrément tous anéantis et les quelques-uns qui sont restés en vie se sont réfugiés dans la montagne. D'accord, apparemment leurs descendants sont encore là-haut. J'ai entendu dire qu'ils n'avaient même pas de télé. Leur vie doit être si triste. Très bien. Ça m'intéresse, l'histoire des autres. Je sais pas qui c'est peut-être. Est-ce que c'est des humains? Est-ce que c'est des... Je sais pas. En accord avec la loi 9G7.2, je ne peux pas regarder dans les meubles d'autres personnes. Si cette personne est dans la même pièce. D'accord. Il me casse la gueule, dehors. Mais c'est une exception. Si l'autre personne ne fait pas attention à ce qu'on fait. Est-ce que je laisse une note d'excuse ou pas? Je ne me rappelle plus. Je veux pas faire d'erreur. J'ai pas le temps d'aller regarder la loi. Je vais risquer ça. Je vais laisser personne. Ça ne blessera personne. Ok, il est très occupé par la télévision. Regardons ça. Presentationary. Eraser, pens, paper, ouais. A kitchen with a character, wins, content. Un collier, c'est ça? Une chaîne avec un personnage qui porte un squarepants, c'est quoi? C'est Bob l'éponge? Un short, un squarepants, c'est ça? C'est un short, comme ça? Pantacourt peut-être? Ça fait penser au générique de Bob l'éponge. Ce bout de papier a quelque chose d'écrit dessus.
4, donc 26, 76. C'est mystérieux. Oui, c'est ça. Ça marche. Ça marche. J'avais bonne référence. Books. Je dois écrire une note d'excuse avant de faire quoi que ce soit d'autre. Oh, désolé. Bonjour à nouveau, mon cher voisin. En accord avec la loi 9G72, je peux regarder dans votre bureau tant que vous n'êtes pas en train de regarder. Je n'ai pas besoin de. J'en avais pas besoin pour réparer mon antenne, mais pour être honnête, j'étais curieux. Je ne me rappelle pas si je dois écrire une note d'excuse pour ça, mais. I did put my hands into your clean closet. Mais j'ai mis ma main dans vos fringues propres. Et. I felt I should. Ah oui, suite à ça, je pense que je devrais en faire un mot d'excuse. Donc je suis désolé pour le problème, mais j'étais dans mes droits. Cordialement. Ok, donc on peut faire ça maintenant. Je ne connais aucun de ces auteurs. C'est 48-29. Attendez, c'était 46-76, c'est ça l'autre numéro qu'on a vu. Aesus, je pense que c'était une actrice. Je ne lis pas en ce moment, je préférais la télé. Ça nous aurait surpris. Mais c'était pas vrai. Parfois, je regarde le magazine télé aussi. Très bien. Est-ce qu'on a. Une petite chose qui pourrait être bien, c'est quand il y a beaucoup de chiffres. Je sais pas s'il y a actuellement, je crois pas. Mais d'avoir un truc qui rappelle. Ou alors préciser. De prendre un papier et un crayon. C'est vrai que ça peut être assez simple à penser. Mais... Parce que souvent maintenant dans les jeux, c'est déjà pris en compte, du coup on n'a plus le réflexe. Mais... Moi je le fais d'habitude. Je crois que c'est 46. Ah c'est ça, ok. J'ai rien dit. Très bien, on va voir ça. Donc, les bouquins c'est bon. Pause, téléphone. Pause. Téléphone, icône. Ah oui, j'avais pas vu. Ah oui. Ça fait quoi? En bas à gauche. Ah oui, j'avais pas vu. Donc là, normalement, on est censé voir... partie des petits bugs que tu m'as parlé. Non mais c'est bien, on est là pour tester ça aussi. Ça fait bugger. Ouais, parce que du coup... C'est pas grave, on a rien vu. Non mais... Ah, on peut aller sur le balcon. Ah, je pensais que c'était juste des rideaux. Je suis là-haut. Ah, c'est pas grave, c'était 46-76. Sympa. Non, ça arrive. Hein. Il y a un trou entre ces deux toits. C'était pas dans les bugs prévus, ça. C'est le secret des bugs, c'est qu'ils sont jamais là où on les attend. C'est bien trop long pour moi, pour que je puisse sauter. Avec la barre. C'est trop court pour faire un pont. Ça marchera mieux avec quelque chose de plus long. Non, pas l'antenne. Neighbor House. Ah, ça canne, non? TV. Oh mec, encore une autre émission de politique chiante. Ah, les Boxeaters. Ah oui, d'accord. On est dans l'actualité, j'ai envie de dire. Comment est-ce que c'est possible que... des gens peut-être aussi stupides... pour vouloir quitter un magnifique groupe, enfin le magnifique comment dire, organisation, enfin voilà, avec des télés. Ah d'accord. Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? C'est insensé. Tout ce qui est bien est sur la télé. Ok, on a fait tout ce qu'il y avait à faire. Besoin de récupérer quelque chose.
pas manquer avec ça. Il va utiliser son antenne pour faire un pont. Mais il est pas bien. Quelque chose me dit que c'est une mauvaise idée. Mais j'ai pas le choix. Bon, ça a l'air bien. Allez, C40, 36, 32. Tu peux le faire. Il est pas bien, hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? L'antenne est complètement éclatée. Allez, go. Ah ouais, mais... Il est pas bien, hein. Ok, respire. Juste respire. C'est un tout petit pont, un tout petit passage. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, je peux pas. Peut-être même en fermant mes yeux. Ça lâche. What? Quoi? Bonjour. Ne sois pas effrayé. Je viens en paix. C'est une boule. Oh, il y a Monsieur Boule. Mais qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes dégueulasse. Eh bien, dans mon monde, handsome guy, c'est quoi déjà? Je suis plutôt mais je peux comprendre que vous ne puissiez pas le voir. Vous n'êtes pas habitué à voir des gens avec ma forme, ma silhouette. Tu n'as pas d'angle, tu n'as pas de coin. C'est vraiment bizarre. Un beau gosse, ok. Ah oui, d'accord, ça va te la péter un peu quand même. Eh bien. C'est une belle introduction. On devrait bouger? Ou est-ce que vous voulez rester à m'insulter sur mon apparence? Je suis ici pour agir en tant qu'ambassadeur de la paix. Mes supérieurs ont déjà... d'accord. Ils ont déjà pris contact. Enfin, ils ont déjà fait un premier contact. Je suis... très heureux de finalement rencontrer quelqu'un de ton espèce. Même si j'espérais quelqu'un d'un peu plus poli. Ton monde est exactement comme nos anciens explorateurs nous l'ont décrit, nous l'ont dit. All shaped square. Donc shape, c'est les angles, enfin tout carré, tout ce qui est un peu... C'est incroyable. Toutes ces couleurs aussi. Ah bon? C'est une place, c'est un lieu magnifique. Les couleurs, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a seulement trois couleurs. Black, white and grey. Forme, ok. Tout est forme. Ouais. Quoi? Non. Regarde autour de toi. Le monde est éclatant avec plein de couleurs. Red, rouge, bleu, vert, jaune. Hein? Il a un problème de vue en fait. Tu ne peux pas les voir? De quoi est-ce que tu me parles? Tout est gris. Ne te fous pas de moi. En accord avec la loi, vous devriez... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu es en train de faire? D'où est-ce que ces lumières proviennent? Comment est-ce que tu fais ça? Comment est-ce que tu fais ça? Juste avant mon émission préférée. J'ai rien à voir avec ça. Je le promets. Donc, ne m'approche pas. Reste loin. J'ai une barre de métal et je n'aurai pas peur de m'en servir. Mais je veux pas te blesser, reste calme. Casse-toi, casse-toi. Il a chu. Ah, ça fait mal. Ouch. Ça va? Je peux venir t'aider. Donc j'arrive. Perturbant, je m'attendais pas à ça. Comment ça, le monde est coloré en fait? C'est lui qui a un souci? Ou c'est les gens d'ici? Mais comment est-ce que les gens d'ici peuvent avoir un souci avec les couleurs et tout? Tous en même temps. C'est bizarre, à moins que lui soit pas au courant et que c'est le seul à avoir un souci avec ça. Peut-être. Ça pose question. Ce n'est pas ce que j'espérais. Ça ne... peut pas être les gens que j'étais supposé rencontrer. Est-ce que je me suis trompé de planète? Tu aurais contacté le central
et ensuite aider ce pauvre, cette pauvre personne, ce pauvre homme. Ah bah non, mais lui, très bien. C'est bizarre ça. Oh non. Le vaisseau n'aime pas toutes ces forces landing, c'est landing, c'est l'atterrissage, c'est ça. Toutes ces lumières ne. Est-ce que s'il y avait TV noir blanc qui rentre? Comme s'il y avait la TV noir et blanc qui rencontrait son futur la couleur. Ouais, c'est ça. Atterrissage forcé. Ah oui, force landing. Oui, exactement. C'est vrai. Donc le vaisseau n'a pas aimé cet atterrissage forcé. Toutes ces lumières n'ont pas l'air. Ah, il monte ici. Comment dire? Ne donne rien de. Enfin, ne montre rien de bon pour lui. M'a dit. Qu'est-ce qui se passe? Donne-moi un rapport de statut. Spaceship landed. Ah, le vaisseau a atterri 3 mètres au-dessus de ce qui avait été prévu. Le dommage n'est pas irréversible, mais ce n'est pas bon. Ah, c'est son intelligence artificielle. Les conditions de la coque, on va dire, 90%, ça va. Cosmetic damage. Bon, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est pas grave. Ouh! Condition de moteur, 60% par contre. Ok, c'est pas très bien. L'idée c'était plus monde carré contre monde rond, mais ça marche aussi. Par rapport à TV noir et blanc qui rencontre son futur à couleur. C'est vrai. Système ignition, c'est quoi, 10%? C'est mauvais. I take hit, we have to repair that. Je pense qu'on a besoin de réparer ça avant de partir. En des termes layman, je sais pas ce que c'est. Oui. Ok, je viens d'arriver. Je suis sur un seul plane que depuis quelques minutes, depuis 5 minutes, et tout est en train de partir en vrille. Déjà. Ball machine, qu'est-ce que c'est que ça? Pas le temps de m'occuper de regarder ces machines. J'ai besoin d'envoyer un message au quartier général. Très bien. Amok. Ah, le Amok. Je vous le dis, je serais bien content quand je pourrais revenir dans mon lit. Un Amok dans une boule de l'espace volante n'est pas l'endroit le plus confortable pour faire de bonnes nuits. Pour passer de bonnes nuits. C'était pas si simple d'être un ambassadeur de la paix, des fois. Bon, bah écoutez. Dashboard. Ouais, initiative emergency. Enclenche le code d'urgence numéro 4. On a besoin d'un mot de passe d'urgence. Non, c'est pas le même que pour le code d'atterrissage. Pinball is still cool. Pinball, c'est le jeu qu'il y avait sur les. Ah ouais, putain, qu'est-ce qu'on a fait du. Je sais que je jouais à pinball au collège et tout. Sur les ordi des collèges. C'était marrant. No, three. On faisait des concours pour le plus gros score d'ailleurs. Je me souviens. Dommage qu'il n'existe plus celui-là. Split free. Ouais, c'est ça, c'est le truc de flipper là. Pinball, c'était le truc de. C'est comme ça que ça s'appelait. Sur les petits ordi là. 3 essais avant l'autodestruction. Sérieusement? Ouais, c'est ça. Prepare better than pancakes. Évidemment, évidemment. On parle d'un breton là. Évidemment, le pancake c'est dégueulasse. 2 essais. Il reste 2 essais. Mission impossible. Pas mal, eh bien celui-là. Un seul essai. Je me rappelle pas. C'est une urgence. J'ai besoin d'envoyer un message maintenant. Est-ce que vous avez besoin de retrouver votre message? Un souvenir, oui. Retrouver mon message? J'ai dit que c'était une urgence. Laissez-moi faire cet appel. Vous avez besoin de récupérer votre mot de passe en premier.
Ok, on va devoir résoudre ce puzzle pour un nouveau mot de passe. Can I not just check a box or something? Est-ce que j'ai pas juste besoin de cocher une case et de prouver que je ne suis pas un robot avec le gacha? Gacha, je sais plus. Non, gacha, c'est les jeux. C'est quoi déjà le mot de passe? Gacha? Cacha? Non, c'était un système de sécurité. C'est le seul moyen. Mais je vous le rappelle, c'est une urgence. Vous n'avez pas besoin de me le rappeler, je suis une intelligence artificielle. Je n'oublie jamais rien. Sérieusement, qu'est-ce qui va pas avec vous? Rien ne va, enfin, rien ne va pas, justement. Je n'oublie pas. Tout va bien, du coup. Je n'oublie pas les mots de passe, moi. Ok, regardons ce puzzle. Alors, 22, 36, 58, 94, 2, 4, 6. Ouais, donc là on ajoute 4. Là on ajoute... 22. On ajoute la moitié, c'est ça? Enfin. Du coup, 5, 22, ça fait 14 en plus. Là, ça fait 22. Ah oui. Faut ajouter. Il faut ajouter en fait le truc d'avant, non? C'est bon? Non, c'est toujours pas bon. Premier puzzle complété. Bonsoir, Lycos. Bienvenue à toi. Donc c'était ça, il fallait en fait, il y avait 2, 6, 8, il fallait ajouter en fait, à 6 on a ajouté 2, ça fait 8, à 8 on a ajouté 6, ça fait 14. Et à 14 on aurait ajouté 8, ça aurait fait 22. Mais donc du coup, il y a un autre. Donc il reste 2 puzzles, sérieusement. C'est ce qui... Bienvenue à toi Alekos, comment ça va? C'est ce qui se passe quand vous laissez des ingénieurs... sur le End of Field World, s'occuper de ce champ-là. 3 puzzles, c'est une dans une urgence. Ouais, qui a le temps pour 3 puzzles? Peut-être que ça vous apprendra à ne pas oublier le mot de passe. Ok. Alors. 6, 10, 7, 4. 15, 14, 17. On a 17, c'est 10 et 7, merci. 14, 10 et 4. Non, je pense pas que ce soit un truc aussi, aussi simple, on va dire. Je vois pas de logique là pour l'instant, mais n'hésitez pas hein, si vous avez une idée. Alors. Là on enlève 3, là on enlève 3, là on ajoute 4, là on enlève 3. On a 6, on ajoute 4, on enlève 3, on enlève 3. Donc là j'ajouterai 4, 3, 3, 19 du coup. Bah non. Ah je sais. Oui, oui, ça je... J'espère. Il me largue. Parce que là, si on ajoute 4, on enlève 3, on enlève 3. Là on ajoute 4, ça fait 19, mais si on enlève 3, ça fait 16. Ou alors on ajoute... c'est pas ça. Là c'est le double. Ouais non, il n'y a rien à voir avec l'un en face de l'autre ou quoi. Les couleurs, ben non, 6 et 4, ça fait 10.
24. Non, il n'y a pas. 24. Ici, ça fait que 10. 20 trucs au hasard. Bah, moi, je mettrais le 19, mais je sais pas si c'est. Marie, please, help me, aide-moi. Non, je ne veux pas rester le reste de ma vie sur ce puzzle. J'ai des endroits à visiter, des rêves à achever, enfin à réaliser. Slice of a pie like to be summed with the opposite. Voilà, alors. Summed, c'est. Ah d'accord, a slice of a pie like to be summed with the opposite. Juste slice of a pie, c'est quoi slice of a pie? I like to be summed up. Sum, c'est soustrait, je crois. Avec son opposé, mais son opposé, ouais. 6. Ah non, c'est additionné. Une paire M est additionnée à son opposé. D'accord, donc 17. Ouais. Ok. 17. 14. Il me manquerait quoi? Alors, 10 et 4, 14, c'est ok. 10 et 7, ok. Et là, on a quoi? 10 et 7 c'est fait, 10 et 4 c'est utilisé, donc il nous faudrait quoi? Un poil, ouais, c'est pour que les réfracteurs des maths restent pas bloqués. Ouais, je comprends. Non mais après, l'idée c'est pas non plus de voilà, faire bac, de passer un bac. 11 11 alors je vais faire 11 histoire qu'on avance, mais ok. Vous pourrez me balancer votre réflexion, parce que du coup je l'ai pas. Ok. On me dit à l'oreillette que la réponse est hérité d'un truc. Ouais, ça c'est bon. Pour les mains, vous prenez quand même beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que la moyenne pour réussir pour trouver la solution. Ah, c'était l'ensemble, ok, ça marche. J'ai résolu tout ça en quelques microsecondes. Ok. Ok, donc là, on a 19, 23, 11, 25, 12, 7. Ah ouais? J'ai pas lu ça. J'ai mal dû. Ah oui, avec son opposé, ok. Oui. C'est moi qui ai mal. Ok. Ça marche. Ok. Ah oui, oui, c'est ça. Ok. Par 11, oui. Très bien. Merci, Alekos. Et merci pour la réponse. Alors, là. Est-ce que ça fonctionne pareil? Et 7, 19. Alors, après, est-ce qu'il y a. Ça fonctionne pas forcément pareil, mais là en tout cas ça correspond. Pareil, mais par couleur. 30, ah oui, 30, 30, 30, exact. Donc 8, non, 18. Yes. Bien joué. Bien joué. Vous pouvez reset votre mot de passe. Yes. Et qu'est-ce que c'était mon pizza cookie? C'était son mot de passe. Ah, bien sûr, mes deux nourritures préférées. Yes. C'était évident. Qu'est-ce que sera votre nouveau password? Braggy Maggy. Non mais c'est un mot de passe encore plus obvious. Sauvegardez. Edwager, a lot of money that you'll forget soon too.
pouvais parier, c'est ça? I would wager a lot of money that you... Ah d'accord, je parierais que... Enfin, je suis sûr que vous allez encore oublier celui-ci. Pas cette fois, Maggie. Maddie, pardon. Lancez le code d'urgence, pardon, le code 4. Le password, c'est Braggy Maddie. Il a eu le temps de mourir, l'homme cube. Clairement. Je pense qu'il s'est... Ouais. Il est hémorragie. L'appel est en cours. Major Edward reporting. Major Edward au rapport. Quelle est votre urgence, ambassadeur? Monsieur, j'ai des raisons de croire que j'ai atterri sur la mauvaise planète. J'ai besoin d'une évacuation immédiate. Négatif, ambassadeur. En accord avec vos calculs, vous devez avoir atterri sur le bon endroit. Au bon endroit. Pourquoi est-ce que vous pensez avoir... Vous êtes trompé de place dans d'endroit? Parce que j'ai atterri sur une maison. Enfin, peut-être parce que j'ai atterri dans une maison. Une maison? Une maison, dans une ville. Impossible. Quelles étaient vos coordonnées? X26Y84. Vous devez être au bon endroit. Attendez. C'est possible que j'ai atterri sur le mauvais côté, enfin la mauvaise face. Sur quelle face avez-vous atterri? Comment est-ce que je peux le savoir? Celui avec un cube lunatique qui ne peut pas voir les couleurs. Quoi? Qu'avez-vous dit? J'ai rencontré un homme cube et il ne pouvait pas voir les couleurs. Il n'était pas très très heureux. Et encore, un ovni a atterri sur son toit. Donc j'imagine qu'il a le droit d'être un peu... Voilà. Dubitatif. Un peu dérangé, plutôt. Well, très bien. Ce n'est définitivement pas les personnes que vous étiez censées rencontrer. Qu'est-ce que je dois faire, du coup? Vous devez trouver le côté correct de la planète. Pour aller sur le bon endroit. Énervé, voilà, merci. Hop, c'est cherché. Bien sûr. Mais de quel côté? Enfin, comment est-ce que je dois faire? Je ne sais pas. J'en sais un dé. Ouais, c'est facile à dire pour vous. Mais les moteurs sont morts. Vous avez trouvé un moyen, ambassadeur. C'est la pire mission qu'on m'ait donnée. Bonne chance. Donnez-nous... Faites-nous savoir quand vous avez trouvé. Attendez. Si je quitte le vaisseau par arrière... comment est-ce que je contacte? Votre montre intelligente. Incroyable. Montre vélo. Vous pouvez l'utiliser pour faire des appels. Je l'utilisais pour jouer au flipper tout ce temps. Vous êtes sans espoir. C'est ça? Il est en place sans espoir. Sympa. Puis vous pouvez l'utiliser pour me contacter si vous êtes bloqué ou si vous avez besoin d'aide. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler un numéro, juste presser le bouton. Il se fout de notre gueule en plus. Très bien. Je veux partir. C'est où la sortie? Ici. Ah, il nous faut un kit de survie qui est dans la ball machine. Je peux avoir un kit de survie s'il vous plaît? Bien sûr, il est là. Très bien. Une pokéball. Il n'y a pas de bouffe à l'intérieur? On n'a pas demandé de nourriture. Les rations de nourriture. Doivent être demandés séparément. Et voilà. C'est quoi? C'est des hosties? Des gâteaux de riz? Vous êtes sérieux? Vous êtes au régime. Et les gâteaux de riz ne pourrissent pas, enfin, voilà, ne deviennent pas rassis. Enfin, en tout cas, pour. Pas tout de suite. Mettez un peu plus de temps. Est-ce que je peux juste avoir un cookie? Ouais, galette de riz. Vous avez le droit à un seul cookie par semaine. C'est tout pour les 7 prochains jours. Donc voilà. Faites que ça dure. Oui, vous êtes le meilleur, Mali. La meilleure, du coup. Bon, et bien on aura réussi ces puzzles de mort. Mais il n'était pas si court que ça, ou alors c'est moi qui suis très lent. Je pense pas.
Bon bah du coup on va aller ici. Allô, bonjour. Désolé monsieur. Là, qu'est-ce qu'il a mis? Il est... Je suis désolé d'intervenir dans votre... Enfin, d'arriver dans votre maison par la fenêtre. Mais je m'en vais. Monsieur? Monsieur Q? Bonjour. Allô? Il bouge plus. Il est hypnotisé par sa télé. This boxing is staring at it seems to be drawing a colorful light from his belly. Tu as pris ton temps, en général j'ai rarement vu dépasser une heure. Après, tu lis aussi, j'imagine que ça vaut le coup. Oui, après bon c'est pas dérangeant mais. Attends, je vais juste enlever mon tweet deux secondes. Parce que j'avais préparé un autre tweet pour plus tard, je vais le mettre un peu plus tard du coup, pour le deuxième jeu. Et on est presque... D'accord. Hop. J'enlève juste... Je vais le mettre pour... On va le mettre pour 11h30. Au moins, on est sûr. Hop. Ok, c'est bon. Sinon, ça va tweeter que je suis sur le second jeu alors que non. C'est une manière... Hey, c'est lui qui est back. C'est une manière de Pauline de lui dire qu'il est pas doué. Voilà, mais au moins, il l'a dit avec tact. Bonsoir Kalibak, bienvenue à toi. Donc cette boîte, c'est une staring at. On dirait qu'elle lui envoie des rayons de lumière, de couleur, jusqu'à son corps. Heureusement, ça ne marche pas sur moi. Ça me donne juste... C'est quoi Square Eyes, le tourni, non? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette planète? La porte... Okay. Je rappelle qu'on est censé réparer le monsieur. Je pense que c'est juste le fait de traduire en français pour le dire à l'oral qui augmente un peu plus de temps. Ouais. Et encore ça, je sais quand même pas trop. Ah, hello? Est-ce que ça va? Ça pourrait être mieux. Au moins je ne suis pas mort. Est-ce que vous réalisez que votre voisin est collé Ah non, il était en train d'aspirer toutes les couleurs de... par son cerveau, c'est ça? Quoi? Qu'est-ce que... De quoi est-ce que vous êtes en train de parler? Il est juste probablement en train de regarder la télé. Arrêtez de mentir. You wear round alien. Espèce d'alien rond. Enfin, de choses rondes. Grumpy. Est-ce que... tout le monde ici est grumpy, comme vous, et grognon, j'imagine. Parce que, ah, c'est comme en français quand tes parents te disaient que tu allais avoir les yeux carrés à force de regarder la télé. D'accord, on m'a jamais dit ça, mais ok. D'accord, je ne connais pas. Fais-moi confiance. Comparé à mes voisins, à mon voisin, je suis vraiment quelqu'un de très calme, très posé. Je ne peux pas dire à quoi il était, enfin à quoi il ressemblait, pour être honnête. Il n'était pas très bavard quand je l'ai vu. Peu importe. Je suis supposé rencontrer une communauté de gens comme vous, comme toi. Il y a des cubes, mais... there's cubes, but they're not... in town like this one. Il y a des cubes, mais ils ne sont pas en ville comme toi, comme ici. Comme celle-ci. Ah d'accord, il était censé voir les autres en fait. Les autres dont on a entendu parler un peu plus tôt. J'étais censé voir. J'étais censé atterrir près d'une montagne. Est-ce que vous savez où est-ce que je peux aller? Montagne? On va y aller? Franchement, je te demande de faire le chapitre suivant pour nous emmener près de la montagne. Je veux voir c'est quoi ces autres. Je suis désolé, il va falloir se mettre au boulot, je veux voir c'est quoi les autres. Ça me titille. La montagne? Attendez. Vous êtes en train de dire que vous voulez rencontrer les traîtres? Donc, tu les connais? Est-ce que tu peux me montrer la voie, le chemin? Bien sûr que non! Je suis jamais allé là-bas. Et je ne veux pas. Et je n'irai pas. Mais je peux être le guide.
Quoi? Je peux même pas marcher pour l'instant. Ma jambe est en agonie. Je viens juste de tomber d'un toit. J'ai besoin de toi pour m'aider. Fais-moi confiance. Tu n'as pas idée à quel point c'est important. Ouais, mais tu vois, ça aurait été le truc, tu vois. C'est qu'en fait, c'est des triangles. Voilà, incroyable, c'est des triangles. Des rebelles qui luttent contre la manipulation de masse de The Dice. Ouais, ça doit être un truc comme ça, ça doit être un groupe de rebelles. C'est ça, j'ai tout piqué à Star Wars. Regarde, I might be able. Je pourrais éventuellement t'aider à trouver ta voie, mais le fait est que je ne veux pas. Je veux juste regarder mon émission préférée à la télé. Mais tu as tout ruiné, tu as tout détruit. En atterrissant avec ton stupide vaisseau rond sur mon antenne. Et je suis très énervé, je suis très désappointé. Donne-moi des chips. Donne-moi des chips, pourquoi? Allez, je dois être capable de faire quelque chose pour ça, hein. Je vais t'aider. Très bien. Donc, on fait quoi? Kit de secours? C'est un alien. Ah oui, merde, c'est pas énervé. Ah, hungry. Hungry. Ah bah un cookie. Bah oui. Je veux des chips. Oui. Tout à fait, merci. Si je me suis trompé dans la traduction, il y a au moins quelqu'un qui a compris ma référence. Merci. Je ne crois pas que tu le mérites, mais bon. C'est mon dernier cookie. Prends-le. Est-ce qu'il est mangeable? Il est rond. Je ne veux pas d'une bouffe alien. Tu n'as pas quelque chose de normal à manger? Non, a priori, Omega Marquis, c'est juste le a priori, le cube là qui voit en... Quoique... T'es gentil, moi j'aurais filé des galettes de riz d'abord. Bah, il demande un... Il aime bien les cookies, là on est censé être aidé, machin, il faut qu'on avance, nous on n'a pas le temps. Donc voilà, il faut que ça aille vite. Donc on lui donne notre cookie, on est gentil. Effectivement, un cookie pour des galettes de riz. Mais en même temps, c'est sûr qu'il avait pas les bouffer, les galettes de riz. Bon, moi j'aime bien ça, mais il y en a qui aiment pas, c'est sec en général. Allez, mange-le s'il te plaît, avant que je change d'avis. Crunch, crunch, crunch. Pas mauvais. Pas mauvais? Au revoir, mon dernier cookie. Tu méritais mieux. Allez, dis-moi maintenant, tu te sens mieux. J'ai l'impression que c'est que lui qui a. Les boîtes aux lettres sont rouges et que certains objets ont l'air d'être peints. Bah, je pense. Je sais pas en fait, ouais, si c'est que les cubes. Certains objets ont l'air d'être peints. Tu penses à quoi? Ouais, c'est ça, c'est que les cubes en fait. C'est que les branchés sur la télé. Oui, je me sens mieux, mais ma jambe. Je pense pas que je puisse marcher. Bien. On n'a pas le choix, il semblerait. Mais me touche pas! Désolé, mais j'ai besoin de t'emmener avec moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pas bien. Laisse-moi descendre. Pose-moi par terre. Et pourquoi est-ce que t'es si fort? C'est ce qui arrive quand... Ah bah oui, quand tu ne passes pas des... ta vie entière assis devant une télé. Bon allez, maintenant, par quel chemin on doit aller? Je ne veux pas partir. J'ai dit, laisse-moi descendre. Je ne veux pas aller quoi que ce soit à un quelconque endroit avec toi. Fais-moi confiance. Je fais ça pour notre bien. Notre bien? Tu m'empêches de regarder la télé, de regarder mon show préféré. Comment est-ce que ça peut être pour notre propre bien? Bah comme toutes les boîtes aux lettres sont rouges, il y a bien quelqu'un qui les a peintes de la même couleur. Et je pense que c'est pas évident à faire quand on voit un noir et blanc. Ouais, c'est pas faux. Au moins qu'il ait trempé son pinceau
dans un pot rouge sans le savoir, et du coup il a tout repeint en gris, alors qu'en fait tout était rouge. Cette émission, c'était à propos de quoi? Je suis curieux. Eh bien, c'est une émission de télé. C'est très très célèbre, enfin, très, ça marche bien. Je la regarde depuis des années. Et c'est, ça parle de quoi? Je m'en rappelle pas. Je la regarde depuis des années tous les jours, mais je me rappelle pas de tout. De quoi ça parle? Ah! Comme je suspectais, quelque chose d'étrange ici. Bonne remarque. En fait, tous les cubes ne sont pas immobilisés. Et puis peut-être que ça fait pas longtemps qu'il leur vole les couleurs. Non, c'est assez drôle parce que du coup, il y a le dev qui essaie de justifier ce qu'il a fait. Et ça, je trouve ça drôle. Megamark, il va doucement quand même. Peut-être que la génération avant, on voyait très bien. J'ai plusieurs théories, mais trop longues à écrire en tout cas. trop longue à écrire tout ça. Très bien, et ben. Au pire, envoie-les-moi sur le... Ah non, t'es pas sur le Discord, mais envoie-les-moi où tu veux, et puis je lui transmets. Le truc, c'est que je veux pas spoiler. Ah oui, forcément, oui. Allez, aide-moi à compléter cette mission, enfin, à faire cette mission. Guide-moi à ces traîtres, ensemble. On peut retrouver confiance. On dirait que je peux pas t'empêcher de me. Enfin de me prendre. Enfin de m'emmener avec toi. Suis les panneaux de pub. Et ils te guideront à la sortie de la ville. On aura sûrement la réponse au chapitre 2. Oui, évidemment qu'on l'aura. Sûrement même. Si, sur Discord. Ouais, mais sur le mien, qui me l'envoie, Comega Mark qui me l'envoie sur mon Discord, elle me met un message, ou elle me contacte directement en privé, et puis avec ces 2-3 théories, et puis je te les enverrai. De toute façon, si vous voulez en discuter, envoyez-moi un DM sur Twitter ou Discord, toujours dispo pour parler de mes jeux. D'accord. Bon, bah du coup, on suit les pubs, avant que ce soit les pubs de droite. Bah oui, c'est pas, oui, c'est les pubs de droite. C'est bon. Steve, ah merde, du coup, j'ai zappé. Elles sont pires pour votre santé que vous pouvez l'imaginer. Ça marche. Tu peux faire... allez, cause, je sens qu'il va le faire. C'est un bon modérateur. Alors, point d'exclamation Discord, tout simplement. Et tu as le lien permanent pour mon Discord. Pour mon salon. Enfin, pour mon serveur, plutôt. Tu n'es pas... Tu ne m'as pas tué, hein? Ah, mais sois pas stupide. Tu es mon ami, Kyubi. Merci à l'Ecos. Kyubi, il l'appelle Kyubi. C'est C43-2632, pas Kyubi. Et nous, on n'a pas de chiffres. C'est Magic Twitch. Best modo, pas bon modo, best modo. Merci beaucoup. Et la petite théorie, si les cubes sont gris, c'est qu'ils ont eu leur couleur absorbée. Alors peut-être, soit absorbé, soit par manque d'entretien peut-être, on peut s'imaginer que s'ils sont tout le temps dans la télé, peut-être qu'ils ont besoin de, voilà, comme nous, on s'entretient, en quelque sorte, peut-être qu'eux aussi avaient besoin, et du coup à force de rester dans la télé, bah, ils sont vieux et décrépits. C'est bien trop dur de se rappeler de se rappeler des numéros de toute façon. Je vais continuer de t'appeler Kyubi. Mon nom est Alfred. C'est vraiment un nom bizarre, un nom étrange, Alfred. Dis le mec qui a un nom, qui a un nombre comme nom. Allez Kyubi, on y va, on s'en va. Du coup, je me suis foiré sur un truc, je viens de voir. Ah. Quand j'ai vu le roi en bleu. Le roi? Ah oui, en haut. This guy's... Ah d'accord, donc lui aussi il est hypnotisé. Ferme tes yeux. On ne veut pas que tu sois encore hypnotisé. Mon nom n'est pas Kyubi. Et je ne veux pas voir... Ah non, je veux voir. Mais non, il n'y a rien, ça.
une spirale hypnotisante. Et je veux voir ce qu'il est en train de, regarder. Fais-moi confiance. Peu importe ce que c'est, ça ne vaut pas le fait d'être hypnotisé. Je dois parler aux gardes de toute façon. On a besoin d'une autorisation. Oh, d'un code. Allons-y. Non. Le PA4 forme. Comment dire, un questionnaire. Enfin, voilà. Faut le remplir et ensuite le garde va me donner un code pour partir. Oh là là. Le code pour quitter la ville me permettra de remplir le AD8YM. Tous les documents doivent être stamped, c'est tamponné, pardon. Et voilà, en bonne et due forme, on va dire. 3 mois pour avoir tout ça. 3 mois. On a besoin de partir maintenant. Je ne pars pas sans le tampon AD8YM. Disons que j'ai un tampon qui dit approuvé par Alfred. Est-ce que ce sera assez pour qu'on puisse partir? Ton tampon n'a pas de valeur ici. À quoi tu penses? Tamponné. Je pensais que le douanier était en bleu. J'ai des petits flips. Je me suis fait un vrai tampon antenne. Ah oui, c'est ce que j'ai vu sur Twitter, non? C'est ce que t'avais posté. Juste ce que je pensais. Dommage, je m'en fous. Allez, on y va, on se casse. Non! Et du coup, il passe sans autorisation. J'ai pas trop raconté les historiques, je vais me rattraper. Ça marche. Oula, C42-39-87. Quelle est l'urgence? Ah, mais c'est des cubes de couleur, ça. J'essaie de vous contacter depuis des heures, monsieur. J'étais en réunion. Malédiction du management. Quelle est la situation? Regardez ça. Est-ce que vous avez vu les couleurs rouges? Ah, et celle-ci qui clignote. Lumière rouge? Je n'avais jamais vu ça avant. Qui c'est? Oh, C43, 26, 32. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce serait ceux de la montagne qui contrôlent? Ou alors c'est le poste de commandement, on va dire, de la ville, qui détecte que l'autre cube, il y a un truc qui va pas? Intéressant. Par rapport à nos fichiers, c'est un citoyen normal, tout à fait normal. Un grand fan de The Dice. On est sûr que ce n'est pas un boxeater. À 100%, c'est un addict de la télé. Je vous le dis. Il est collé à la boxe 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Étrange. Donnez-moi tous les détails que vous avez. Eh ouais, j'imagine que The Dice a toute une compagnie à lui qui travaille sur ses ordres. C'est pour ça que la réparation de télé est une urgence absolue car il ne faudrait pas qu'un cube loupe une séance d'immobilisation. C'est ça, je pense qu'on est plus là-dedans. Il est fort à l'Écosse. Oui, je pense que c'est ça en fait. C'est The Dice qui a besoin de. Oui, vas-y, mets le Steam de tes jeux. N'hésite pas. Faut passer par l'Écosse par contre. C'est à l'Écosse qui a les droits en tant que modérateur pour mettre un lien. Mais oui, je pense que c'est ça. Il y a besoin de contrôler la population. Donc, du coup, il faut que personne ne loupe les émissions de télé. Ça, effectivement, qu'il y a une urgence. Est-ce qu'on a un visuel sur la maison? Oui. Et ne devez pas croire ce qu'il y a sur le toit. Il y a quelque chose de très bizarre, une forme bizarre, vraiment étrange. Pas de coin, pas d'angle droit. Enfin, j'avais jamais vu ça avant. Et si je ne connaissais pas, je dirais que c'est un vaisseau. J'ai tout sur mon profil Twitter, lien et autres. Ça marche. Ben, n'hésitez pas à aller voir du coup le tweet, le compte Twitter de Golosso Games. C'est une pizza le logo. Par rapport à nos enregistrements, il a rapporté que son antenne avait été endommagée. Donc le vaisseau a dû causer ça. Il a été sans télé pendant 1 heure. C'est mauvais. Appelez The Dice maintenant. On peut pas avoir un. Rogue, c'est rebelle. Un citoyen rebelle qui a découvert la vérité.
And don't breath. Ne dites pas un mot à qui que ce soit ici. En accord avec la loi 8Y72, la personne qui découvre le problème doit toujours être la personne qui fait un rapport à The Dice. Exact. Mais en tant que manager, ça ne devrait pas être plutôt vous qui devrait faire le rapport? Qu'est-ce que j'ai dit? La loi 8Y72. Mais The Dice ne va pas me parler à un pauvre Pecno. Besides, I don't even remember. Et en plus, je ne me rappelle plus de son numéro. Ça fait des années que j'ai fait des entraînements basiques. Et je n'ai jamais pensé que je devrais l'appeler. C'est le 3423. Appelez-le maintenant. Et n'argumentez pas quand je vous donne des ordres. Oui, monsieur. Désolé, monsieur. J'ai pas retenu le numéro, j'espère que ce sera indiqué. Ah. Je ne peux pas croire que je vais appeler le big boss. Mes mains sont en train de suer. Ça sonne. Oui. Ah, c'est bon. Pas besoin d'appeler. Pas besoin. Allô? Est-ce que c'est le bureau de The Dice? Mon nom est C423987. Je travaille dans le service de la chambre. Je viens vers Steam sur ton site. Sur les pièces des serveurs d'Antenna. On a un problème ici, un dilemme. On vient de remarquer qu'un citoyen d'Antenna, donc c'est de la ville, a arrêté de travailler. Ah, arrêté de travailler. Le fait de regarder la télé et d'être hypnotisé, c'est un travail. Nous sommes presque sûrs qu'il ne regarde plus la télé aujourd'hui. Qu'il n'a pas regardé la télé aujourd'hui. Quoi? On peut pas le trouver, monsieur. Il a littéralement disparu. Ne soyez pas énervé. C'est juste un messager. Je suis juste un messager. D'accord. Donc il travaille, mais pourquoi est-ce qu'il travaille? Pour qui? Enfin, pour lui, mais à faire quoi? L'antenne ne fonctionne plus. Tu viens vers moi, un jour ordinaire de travail, et tu me rapportes que notre système ne fonctionne plus, a échoué. Oui, je suis désolé, monsieur. Un citoyen est devenu rebelle, et mon empire entier en souffre, c'est ça? Enfin, ouais, je ne peux pas supporter ça. Ah oui. Exact. Il est dépité quand même. Le problème ne vient pas de moi, c'est pas de ma faute. Ou de n'importe qui dans le département. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer la situation. Je suis connu comme The Dice depuis des années. I rule this place for just as long. Et je tiens cette place depuis assez longtemps. Et toutes ces années, c'est la première fois que quelqu'un vient me voir avec un problème. Oui, c'est ce que je me suis dit quand il était caché avec le chat. De dos, mais voilà. Parce que dans Respecteur Gazette, il est vraiment caché. On voit pas ce que c'est vert, c'est une main. Pour ceux qui sont... Enfin, de ce que je me souviens, c'est juste une main. Je crois. Ça remonte. Il a littéralement disparu. Est-ce que vous comprenez à quel point ça peut être inacceptable? Je suis désolé. Je fais juste un rapport. L'antenne est cassée parce que quelque chose sans angle, sans coin, s'est écrasé dessus, sur le toit. Sans angle? Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelque chose de sphérique? Pour la semaine prochaine, en fait, je suis en train de faire la page Steam de Wayfall. Ah, nice. Oui, tu me l'avais dit. Oui, ça, tu me l'avais dit. Sphérique? Oui, sphérique. Rond, pas d'angle. Pas de... voilà. Envoie-moi une vidéo. Envoie-moi la vidéo. Oui, monsieur. Et fais-toi une faveur. Fais-toi une faveur. Ne mentionne ça à personne. Si tu tiens ta vie.
Ça pourrait finir très mal pour toi si un mot sort d'ici. Ok, je vais faire ça. Merci pour votre... Je ne peux pas rester à perdre mon temps, à gaspiller mon temps avec des idiots. J'ai des choses... j'ai un appel important à passer. Ah. Cher leader, nous avons une situation. Un triangle! Je l'avais dit qu'il y avait des triangles, je l'avais dit! Mais comme c'est le seul problème qu'on lui reporte, les rebelles ne sont pas d'autres cubes innocents qui ont appris la vérité et qui sont isolés ailleurs. Si, ça doit être ça. Mais j'avais dit que c'était des triangles. J'avais parlé de triangles. J'avais raison. Tu te doutes que je peux pas répondre? Évidemment que non. Donc le chef, c'est un triangle. C'est bizarre, ça. Ah. C'est fini? Ah oui, c'est fini. À aucun moment on a parlé de rebelles. C'est vrai. Premier acte. On a fini. Il y avait des triangles, j'avais raison. My Family, 62-68. C'est qui 62-68? C'est Madeira. Yes. To do. Film special thanks to do. Oui. On a fini. Félicitations pour ce pas extrême. Oui, je l'avais dit, j'ai deviné. C'est bizarre, il y a des cubes et des ronds, forcément un triangle quelque part. Je pensais que ça aurait plus été les gens. Bah après, c'est peut-être le cas, mais je pensais que ça aurait été un des gens sur la montagne. Bon, eh bien, c'était bien cool. Comme Inspector Waffles, d'ailleurs. Je vous conseille d'aller voir, d'aller tester. Faut qu'il le fasse. J'attends qu'il me fasse ses special things. Ah oui, d'accord. c'était très cool. Vraiment, vraiment bien, bien sympa, ça se fait bien. J'avais supposé au départ que c'était des gens qui avaient échappé à l'hypnotisation, donc rebelles. Oui, c'est vrai, c'est rebelle par rapport au The Dice. Mais pas forcément des gens rebelles qui vont aller attaquer ou je sais pas quoi. Juste des gens qui ne sont pas en accord avec l'ordre imposé, voilà. On va dire. Bon, eh bien écoutez, moi j'ai bien bien kiffé. Alors, vivement la suite. C'est cool les jeux quoi. Bah ouais, et surtout que là c'est en chapitre. Et que le deuxième chapitre n'est pas encore développé, donc on attend la suite, du coup. Et ben moi j'ai grave kiffé en tout cas. Merci beaucoup pour cette petite aventure, c'était bien cool. Petite histoire bien sympa, qui se fait bien. Donc voilà. J'espère en tout cas que YouTube ça vous aura plu. Donc la suite au prochain épisode, au prochain chapitre. Un jour peut-être. En espérant que ce soit le cas. De toute façon, vous le saurez très vite. Et puis voilà. En fait, la statue fait un peu vieille. Donc peut-être que ça fait longtemps qu'ils sont séparés. Bien avant les télés. Je dis ça, je dis rien. Merci les gens, vous êtes gentils. Bah oui. C'est vrai que alors, la statue, la petite là qu'il y avait chez le monsieur. Il y avait une autre statue? Non. Ouais, mais c'est drôle parce qu'il y a plein de petits indices quand on voit un petit peu ce qu'on apprend après. C'est bien les trucs comme ça, ça force à réfléchir, enfin voilà, observer, à faire des liens. Et du coup, Omega Marquis, n'hésite pas à m'envoyer toutes tes théories sur le jeu, hein, vraiment. Si tu veux, n'hésite pas, tu me les envoies, soit en chuchotement sur Twitch ou sur le serveur Discord, et puis je les transmettrai aux devs. Tu veux des indices sur ce que tu as arrêté avant d'arrêter? Sur ce que tu as raté avant d'arrêter? Bah ouais, pourquoi pas, non? Carrément? Qu'est-ce que j'ai raté? Ah ouais, n'hésite pas. Alors, on va voir petit topo sur ce qu'on a loupé. On va voir. Il y a deux fins. Oui, déjà il y a deux fins. Bon, on a fait qu'une fois, donc forcément on a qu'une. Oui, d'ailleurs il y a deux fins. Tu peux commander une pizza. Ah oui, il y avait numéro, effectivement. Ah oui, alors à la limite. Est-ce qu'il y en a qui veulent pas se faire spoiler? Parce que
qu'à la limite... Parce que s'il y a deux fins et que quelqu'un veut tester le jeu quand il sera dispo, et avoir la deuxième fin, tu as pas vu comment faire la seconde fin, ouais, ça ouais. Tu as arrêté un truc de plus, savoir chez le voisin. Ok. J'ai pas essayé la boîte noire. Qu'est-ce que j'ai pas essayé? Bah plus à droite, en fait, vers lui, j'ai pas essayé. Ah, on découvre un peu plus de background sur le monsieur. Stylé. Stylé. Ouais. Le tableau du bureau de Dice contient un truc caché. Ok. On pouvait pas cliquer dessus, si. Le bureau du Dice, on n'a pas eu accès, on n'a pas eu... On pouvait cliquer même pendant... Quatre numéros de remerciement. Ah, bah là. Mais je sais plus ce que je t'ai dit. Est-ce que quelqu'un se souvient? Oui, c'est quand j'ai fait... quand j'ai tiqué sur les numéros. Ah, il y avait un truc à décoder, ok. J'ai pas fait gaffe. Que quelqu'un a vu le tableau. Mais là, mais du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que quelqu'un peut regarder la relie? J'ai dit un numéro, mais c'était quoi? 68 quelque chose, non? 68-34 ou un truc comme ça? Dernier petit truc. Il y avait tellement de trucs avec des chiffres et des lettres que j'ai rien retenu. C'est ça. C'est ça. À un moment, le technicien appelle The Dice, mais il a oublié son numéro. Ouais. Oui, oui, l'autre lui donne le numéro, ouais. Donc il le demande à son chef. Ouais. Ça, ouais, ça on a vu. Ah, ah oui, d'accord. Ah ouais, mais donc tu... Bon, si j'avais retenu le numéro, on aurait pu l'appeler. Parce que, en fait, depuis que j'ai lancé la première fois le jeu avant le live, je me demande à quoi sert ce truc. Là, là, il y a des numéros à taper. Ça fonctionne. Mais, ouais. Ok. On va cliquer partout pour voir... Ça marche. C'est tout. Et ben, en tout cas, c'était très cool. Et j'aime bien cette idée-là d'avoir des petites choses cachées comme ça à découvrir si on refait plusieurs fois le jeu et qu'on voilà, on teste des trucs. Ça, c'est cool. Je te file, vas-y. C'est qui? Le numéro du chef ou le numéro dans les remerciements? C'est déjà pas mal. On pourrait revenir dans la maison du départ avec l'homme rond. Dans la maison du départ avec l'homme rond. Hey, ah oui, dans la maison du premier cube. Oui, je suppose, oui, vu qu'on peut commander une pizza. Oui, j'imagine que oui. Il y a d'autres trucs que je te dis pas. Ça marche. Et ben, c'est déjà pas mal. Ah, je pense que oui, Mega Marquis. Enfin, la porte n'est pas fermée. Plutôt que de l'aider, on aurait pu continuer. Ah non, il met l'eau direct. Oh si, je pense. C'est ça, hein. Là. Tu peux y aller, c'est le numéro pour appuyer The Dice. C'est quoi ça? Remettre. Faut relancer le jeu? Ah oui, je pensais que t'avais ça. Bon, bah écoutez. Continue? Non, continue, c'est mort. Là, il y a des flèches aussi. Là, je sais pas ce que c'est.
Je voulais voir ce que ça faisait, continue. Start game. Donc 34, 23. On va abréger ça. C'est un désastre. Au secours, ma télé. Square Eyes. Hop. Ok. Du coup. 34. Et du coup, le premier truc dans le menu ne sert à rien. Oui. Allô? Kido? C'est vous qui appelez. Vous n'avez pas dit, vous n'avez aucune idée de qui je suis, n'est-ce pas? Non, vraiment. Mais pouvez-vous réparer mon antenne, s'il vous plaît? Ah oui, d'accord. En fait, là, ça va. Lui, il va dire, antenne brisée. Il faut réparer ça tout de suite. Et lui, il va vite intervenir. Et si ça, ouais, pour le code, dans les remerciements. Ok. My name is. Eh ben, j'aurais dû faire ça en fait. Je peux tout te dire. Mais ouais, j'aurais dû faire ça en fait. J'aurais dû faire le code de fin. Et revenir après ici. Mon nom est C43-2632 et je ne veux pas louper mon émission favorite. Votre antenne est cassée? Comment est-ce que c'est possible? Je n'ai aucune idée. Ce n'est pas mon problème. Je veux juste regarder mon émission de télé. Je vais envoyer quelqu'un très rapidement. Vraiment? Vous êtes un vrai ange gardien. Oui, vous pouvez m'appeler comme ça. Je n'espérais pas avoir de l'aide de quelqu'un de random, enfin quelqu'un d'inconnu, mais merci beaucoup, monsieur. Voilà, deuxième fin, paf, c'est ça, 3 secondes. Merci beaucoup d'être venu si vite. Pas de soucis. Il fallait qu'on se dépêche, c'est une urgence. Me missing my favorite show is that big. Moi, en train de qui louperait mon émission, est une aussi grande urgence. Oui, The Dice. Mais une grande importance. Faire en sorte que. Voilà, accorde une grande importance au fait de, que les citoyens puissent regarder leur show, enfin ne les loupent pas. Qu'est-ce qui se passe sur le toit? Je peux entendre beaucoup de bruit. Oh, ce n'est rien. Oh, c'est juste. Quelques écureuils. Oui, ils étaient en train de jouer avec votre antenne. Ce gros boom qui a fait que la télé a arrêté de fonctionner, c'était à cause d'écureuils. Oui, c'était des gros écureuils. Eh bien, merci beaucoup. Ça aurait été vraiment triste que je loupe une minute de mon épisode. Pas de soucis. Du coup, il y a peut-être trop chaud si l'homme rond rappelle ce numéro. Ouais. Ouais. Je pense que. Enfin, c'est possible qu'il y ait d'autres trucs, effectivement. Pas de problème, je dois y aller. J'ai une autre urgence à faire. Allez voir. Tu vois, t'es bon. Je suis du backup and running. Elle reviendra dans quelques minutes. Installez-vous confortablement. Tout ira bien. Je suis tellement content que d'avoir appelé votre boss directement. Merci pour votre aide. Pas de soucis. My favorite show, finally. Il n'a pas accès au thème. Ah bon. Appréciez votre émission. Ah, voilà. La deuxième fin. Ok. Avec les bêtises, voilà. Là, c'est terminé. Mais c'est bien. Tu vois, ça coupe le. Il y a des jeux qui l'osent pas, ça. Bon, là, ça reste une des deux fins, mais. Il y a des jeux qui l'osent pas, ça. Faire une fin plus directe. Enfin, faire un truc, voilà. Bon. Si on n'avait pas fait tout ça. Si on avait juste fait un truc logique, paf. Enfin, là, c'est pas forcément logique, mais... Fait un truc simple qui fait que, ben voilà, l'histoire se serait pas déroulée comme elle aurait pu se dérouler, ben paf, ça s'arrête, et puis basta, on n'en parle plus. Et tout le monde n'ose pas le faire. Là, le fait de juste le faire en petite fin comme ça, c'est sympa. Bon, eh bien... On va arrêter là, moi, que monsieur le développeur ait d'autres surprises. Sinon, on arrête là, pour ce jeu, en tout cas. Sinon on va faire un petit peu de l'autre jeu. Bon, je crois que ça va être bon. Bon, et bien du coup on va arrêter là YouTube. Bon, au final c'était bien bien cool. Faut bien regarder les achievements, qui sont pour les gens qui font attention. Il n'y a pas de 50 clics sur les écureuils. Oui, j'imagine. Oui.
Mais merci à toi, assez énormément. Et franchement, bien cool les jeux. Bonne petite idée. Et c'est bien foutu, enfin... Je sais pas, je trouve qu'il y a, des trucs qui sont bien... Bien fait, bien pensé. Il y a un vrai recul sur le jeu, sur des petites, petites astuces, des petits trucs cachés, tout ça. Et c'est cool. Ça fait plaisir. Enfin, c'est pas, il y a pas beaucoup de jeux où il y a ça. Et du coup, ça donne envie de refaire le jeu, de mieux fouiller, de faire plus attention à certaines choses, de tester des choses. Enfin voilà, je trouve que c'est cool. Et presque pas de bug. Ouais, on en a pas vu. Bon allez YouTube, des gros bisous. Merci d'avoir regardé donc cette découverte donc sur Antenna Dilemma. Donc c'est le premier chapitre. Le deuxième arrive bientôt. Non. Si ça fonctionne, éventuellement en quelques temps, le second chapitre arrivera. En tout cas, des gros bisous, merci beaucoup. La traduction arrive à la sortie, donc d'ici un mois et demi, donc fin avril, on va dire. Fin avril, courant mai, on va dire. Des gros bisous, à très bientôt. Ciao, ciao.